C'est Céline, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour un tout petit unboxing 3D artériel. Vous avez reconnu la boîte certainement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a une toute, ouais, une petite bricole nouveauté de chez eux et puis un plateau. Un plateau. Je sais pas. Je sais pas, de toute façon j'ai pas d'excuses, donc voilà. Donc c'est arrivé dans cette boîte en colissimo. Et je découvre avec vous. J'ai juste enlevé l'étiquette colissimo qui était au-dessus parce qu'il y avait mes coordonnées. Trop beau le papier de soie. Trop beau le papier de soie. Allez, on regarde. Alors, nous avons. Oh là 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 là. Alors, on a une petite carte. 3D Art réel, imprimeur d'idées avec tout leur réseau Facebook, Instagram, TikTok et ce que vous pouvez retrouver sur leur site internet sur lesquels ils vendent maintenant leurs produits. J'ai un petit cadeau. Oh, il est beau. Washi tape pailleté noir, gris noir. Super joli. Merci beaucoup pour ça. Et alors? Et alors, mais c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est pas un truc que j'ai commandé? Si? Non? Attendez. Je bug. C'est quoi ça? Oh, mais. Oh là là, qu'il est beau! Oh non, mais ça, c'est un cadeau! Oh, mais Alison! Oh, mortel, il est magnifique! C'est un stylet en 3D. Oh purée. Oh purée. Non, mais pourquoi ça? C'est trop gentil, mon Dieu, il est trop magnifique, ce violet est superbe. Oh mais non. Alors, j'ai vu, genre là, je sais pas, il y a 2 jours, qu'il faisait du 3D stylet rond. Oh non, je suis fan. En plus, elle me l'a fait en cours parce qu'elle sait que j'aime les petits comme ça. Ah, mais là, j'avais. Ah non, mais là, je rêve. Là, je rêve. Je rêve. Je vous jure, je rêve. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Non, vous voyez pas. C'est imprimé en 3D. On dirait que le focus se fait pas, mais c'est vraiment les reflets des filaments, quoi. Oh, mais. Oh, Alison, merci énormément. Il est juste canon. Il est juste canon. J'en reviens pas. Je vous jure, j'en reviens pas. C'est une vraie surprise là. Vraiment, merci, merci, merci. Oh non, il est magnifique. J'adore les formes, la longueur, la couleur. J'aime tout. Oh, je sais pas quoi dire. C'est trop. C'est trop beau. Ah, c'est vraiment trop, trop beau. Puis alors, du coup, ça va trop bien aller avec mon plateau, je crois. Bon, alors attendez, j'ai un plateau. Voilà. Voilà. Ce plateau, je l'ai vu passer. Ah, mais oui. Mais oui. Mais c'est le violet du plateau. Ah, mais regardez-moi ça. Ah non, mais Alison, c'est fou, là. C'est vraiment magnifique. Je te remercie énormément, énormément, mon Dieu. Ce plateau, quand elle l'a montré, j'ai adoré parce qu'il est tout petit. Parce qu'il n'est pas trop haut pour l'instant, ça me convient parce que je fais moins de mouvements pour mes coudes. Et puis j'aimais bien ce côté sécure pour le vider. Et les couleurs, j'ai adoré. Enfin, ce rose fluo, l'enchaînement des violets. Il y a un violet pailleté, il y a un violet. Alors, si je dis pas de bêtises, celui-là, il est en édition limitée. Voilà. Et ah non, mais il est. Je suis sur les fesses! C'est trop beau! Merci, merci! Ah non, mais merci! Oh, j'adore, je l'adore! Alors attendez. Des diamants, des diamants, des diamants. Ah, mais vous voyez pas. Attendez. Là là. Oh, mais je fous tout par terre, j'ai pas mes habitudes. Regardez. Oh là là. Et alors après, alors moi j'aime bien les grandes tic-tac, mais ça rentre nickel. Allez, on s'en va à la maison. Voilà. Bon, ils sont statiques, mes diamants. Hein. C'est pas le plateau, hein. C'est mes diamants. Voilà.
Regardez, je vous le dis qu'ils sont statiques. Ils tiennent tout seuls en l'air. Oh, j'aime trop. J'aime trop. Ah oh ouais, non. Non, non, là, je... Ah oh, non, mais là, comment tu m'as eu? Mais comment tu m'as eu? Il est magnifique. Ce violet, il est ouf. Il est ouf. Oh. Bon, j'ai bugué. 5 minutes que je vous montre les deux mêmes trucs, là. Je suis désolée, j'ai bugué. Alors, sinon, j'ai aussi commandé des petits bijoux de stylet. Ça me faisait très envie. Bon, on va en mettre un tout de suite. Je vais vous les montrer. Alors, ils sont arrivés dans un petit sachet organza comme ça, c'est très mignon. Alors, j'ai cette petite bouteille avec des étoiles holographiques dedans. Ah non, c'est des flocons de neige holographiques blancs. Et j'ai cette petite fée adorable sur son, sur sa lune. Allez, on y va, on essaye. Ah oui, d'accord. Hop là! Ah mais moi, alors moi, je suis la cliente pour ce genre de bêtises. Le petit bruit là, je vais adorer. Il y en a que ça va énerver, moi je vais adorer. Regardez, c'est pas trop beau. Voilà. On va essayer l'autre. Ah j'adore. Ah oui, non, mais moi. Ah non, mais j'aime trop. Bon, ben voilà. Il m'en faut pas beaucoup, hein. Je suis trop heureuse là. Je suis trop, trop heureuse. Bon, franchement, Alison, c'est vraiment une incroyable surprise que tu m'as fait. Parce que cette couleur est juste incroyable. Mais vraiment, et que tu mets. Oh, mais alors, le stylet rond, je vous assure qu'on a exactement. C'est la 3D, hein. Mais on a le même confort. Avec la résine, c'est un peu plus fin en revanche. Donc pour ceux qui ont qui aiment que les gros stylets, peut-être pas, mais là, enfin moi ça va m'aller parfaitement. Je le trouve juste incroyable, mais incroyable. Ouais. Alors il mesure combien? Sais même pas si c'est un produit qu'elle vend, j'ai pas d'infos, c'est dommage, j'aurais dû me rencarder avant. 10 et demi, mais en même temps, je savais pas qui était dedans. Il fait 10 et demi, voilà. Ah non, il est juste canon. Et voilà, ce petit plateau carré là qui a un embout spécial pour les boîtes Tic Tac. Ah, et mes petites bijoux de stylet. J'aime trop. J'aime trop. Voilà. Bon, je vais vous laisser 8 minutes, hein, vous montrer mes bêtises. Je suis trop fan. Voilà, attendez, hop, on va se rapprocher un peu. Zouf. Bon, ben, sur cette belle image, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une belle journée. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vais tester ce stylet 3D, du coup, qui n'a pas de côté plat. Et ce plateau que j'adore. Vraiment, très beau format de plateau. Enfin, plus ça va, plus j'aime les petits plateaux, en fait. Je sais pas pourquoi. Très certainement parce qu'on se retrouve aussi avec des toiles qui ont de plus en plus de DMC et nécessairement. Plus il y a de couleurs, moins il y a de quantité par couleur. Et donc les très grands plateaux pour mettre un fond de peau, bah c'est pas toujours pratique. Voilà. Bon, bah, je vous remercie. Je vous dis à très très vite. Bye bye!